Vous avez reconnu notre générique. Certains d'entre vous l'entendent pour la 50e fois. C'est une danse roumaine de Bartok, c'est la 3e. Elle n'est pas très difficile à jouer, mais pour la réussir vraiment bien, je vous donne un petit conseil, c'est qu'il faut avoir le bras droit et la main droite très très détendue, un peu comme une plume d'oiseau. Et surtout pas se raidir sur les petits trémolos. Bartok est né en Hongrie en 1881. Il est mort à New York 64 ans plus tard, en 1945. Les trois prochaines danses, qui terminent ce cycle des six danses roumaines, sont aussi inspirées de chants populaires. La musique populaire a été le fil d'Ariane de toutes les compositions de Bartok. Il a eu le génie de transcender les folklores régionaux en une musique universelle. Bartok a privilégié le piano toute sa vie et il a composé pour les enfants les célèbres Microcosmos, dans un même souci pédagogique que Jean-Sébastien Bach avec son Orgelbüchlein.